Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News AD ou bien sur Aptandem sur Palmous à Makoulakay. Nous avons des abdites pour, c'est ça qui a rapport à avoir ensemble de procès qui n'a l'arrière, en pile l'osso. Bien bonnet, élection beaucoup finie, républicain au gain de la justice, c'est comme quoi, ils ont senti qu'ils ont pas le verdi, puisque ils ont gain de déclarer magouille, c'est ainsi que ils ont été traînés la justice. En fait, ils sont allés dans la côte de Michigan, North Carolina. Et qui c'est à l'attaquer, comprenez-vous? Et à l'attaquer, ça nous relève vote overseas, vote cap sorti de l'extérieur. Monde qui est dans militaire, qui allait à l'étranger, qui votait. Des monde qui déplacé, qui allait étudier peut-être à l'étranger. C'est pour ça que ça a attaqué vote overseas, puisque historiquement, il a montré que vote qui sorti à l'étranger est toujours, justement, des votes démocrates. C'est ainsi que, on expliquait pour vous bien, c'est parti comité républicain même. Nous, on a parlé du comité national du parti républicain. Justement, il challenge vote à l'étranger, et particulièrement dans North Carolina, dans Michigan. Et il fait comprendre que il y a beaucoup de monde qui est à l'étranger, qui a voté, il n'y a pas de preuve que vous êtes dans cette tête-là vrai, il y a une madame qui est dans cette tête-là. Il font bonne bagarre. Et il n'y a pas supposé accepter votre monde ça qui sont bon. Ça veut dire bon monde ça est-ce que le fait que vous voyagez automatiquement vous avez tout perdu citizenship yo et maintenant et Michigan justement il y a protection par exemple si vous avez un spouse ou mari ou qui parti ou il gagne dans la mer quand vous vivez là ou même il va voter pour vous parler de parents tout et premièrement il y a un juge qui dit, bon, nous avons un bagage comme ça, ce n'est pas la première fois la fête. Nous avons à peu près 28 jours, mais je dis, on a 14 jours, parce que 13 jours dans l'élection. Hein. Et c'est à ce moment de la durée, nous venons à quelques semaines, à 2 semaines de l'élection, nous venons challenger. Le juge l'a expliqué, c'est un bagage extrêmement difficile, impossible pour un moment, ça pour demander ensemble de monde qui l'extérieur, qui c'est des citoyens, pour demander pour retirer votre monde ça pendant que nous très close de l'élection. OK? Parce que vous dites, state ça, que ce soit Michigan, North Carolina, vous avez des balises qui est monde qui capable de bailler vote à l'étranger. OK? Bon. Et le juge l'a dit, et nous avons fait challenge pour que ça ne pas fait en 2017. Pour que ça nous choisit là. Et puis il dit, anyway, il croit que state sa yo fait bagay dans le droit yo, yo légal, et yo pa gen aucune preuve qui montre que yo pral victime, c'est de tout ça, c'est des spéculations. Et c'est pareil tout pour juge, pas bien, c'est de state, juge dans North Carolina, et yo a refusé de demander, hein? Yo dit que yo pa gen aucune évidence qui gen fraude. Ok? Et yo dit yo que yo pa bay. Et aucune évidence qu'il y a fraude. On a fait des séries de bagailles hypothétiques. OK? Et donc, c'est tout un groupe de citoyens qu'on est là en Allemagne pour nous presque discriminer parce qu'ils vivent à l'extérieur du pays. OK? Donc, on a songé causer l'os de ça. Donald Trump, le défi, il dit. Lorsque tu as gauche, lorsque tu as droite, il va dire tout. Comment on comprend? Il va dire tout, malgré qu'il y ait plusieurs juges qui l'installent, mais je n'ai pas aucune évidence. Ça donne à ton espérer à la fin pour que lorsque tu as arrivé dans la Supreme Court, pour que comme la Supreme Court t'ait sauvé, c'est ça que tu espères, parce qu'on met les juges. Il n'y a pas même arrivé dans la Supreme Court, même il n'y a pas aucun poids. Vous comprenez tout lorsque tu fais. Et mes fois ça, bien bonnet, n'est-ce pas que tu as une élection, il y a dans la soute. Et ou après que vous comptez ça, vous challenge vote à l'étranger, vous challenge sur ça, et vote par mail. Et il y a des pile state tout. C'est comme, en fait, côté qu'il y a fait des lawsuits, il y a plusieurs groupes républicains qui ont fait des lawsuits là, oui. C'est comme quoi, il y a rendu beaucoup plus difficile, plus exigeant pour voter. En d'autres termes, décourager le monde pour voter. Et donc, mais faut nous tout, en fait, là, nous parlons de Michigan, nous parlons de North Carolina. Même là, pour vote à l'étranger, ça tout. Laissez-moi dire que gagné 6 parlementaires républicains, ils ont fait dans Pennsylvania tout, que d'après le dernier résultat tout, ils ont fait dans Pennsylvania et
yo challenge et même bagala qui se vote à l'étranger. Nous, on était quoi que troisième lawsuit, ça, les républicains ont perdu encore. Comprenez bien, les républicains ont tout fait lawsuit pour lawsuit. Mais nous trouvons, nous comprenons bien, à 2 semaines de l'élection. À 2 semaines de l'élection, qu'est-ce qu'on va demander pour changer là? On va demander de faire des changements pour être capable de satisfaire caprice sous prétexte que Gombon cap plein on est. Magouille, yo toujours magouille tout côté. Yo toujours magouille tout côté. Mais dans le deuxième jour, dans Georgia, bah, ça parle tout, mais gagnant secrétaire Georgia, qui sont républicains. Okay? Ils sont républicains. Ils vont avertissement avec fanatique Trump. Il dit, et 2020, c'est eux-mêmes qui t'ont découragé ensemble de mon voter. Il expliquait que Donald Trump était capable en Georgia. Mais il a tellement pris des tout bon tintin, élection pas passée, c'est là. Et puis, il y a des séries de monde qui dit, bon, mais si l'élection a pris ma gueule comme ça, pour qui ça a mal voté? Je suis à la caméra. Vous comprenez? Monsieur dit, et attention, si vous continuez à faire même tintin ça dans Georgia, si vous continuez à faire même, vous remontez ça dans Georgia, il y a un élément qui a découragé l'ensemble des républicains qui t'a supposé prendre la réelle voter et qui finalement a dit, bon, si les républicains, les fanatiques ont toujours dit, bon, pour qui ça pour mal bailler toute énergie ça? Et des fois, imaginez, si tout si monde va le voter le 5 novembre, là, mon avis va faire n'importe 4 heures de temps, 5 heures de temps en ligne. Il est capable de dire, bon, on va faire 4 heures de temps, 5 heures de temps, 6 heures de temps en ligne. Dans l'élection que je connais avec Magouille, donc, pas d'intérêt. Donc, je dis, attention, pour que dans les véhicules les messages, ça, il n'y a pas vraiment blessé tête, yo. Okay? Et c'est presque même, nous, vous voulez quoi que, et, non, on bien dit, ou non, éventualité trompe perdit, il y a tout fait pour ça, mais l'histoire, c'est même bagala qui parle, c'est pas long éternel recommencement, c'est même causé, hein, puisque, soit parler de vote, Magou, il faut qu'on gagne preuve, il faut qu'on gagne preuve. Nous rappelons d'en causer ça, il y a une institution qui paye bah, sa chère, 800 millions de dollars. Donc, on dit, yes, Fox News. Fox News paye, ça au niveau, faut payer bouchon. Fox News payait Dominion, Dominion qui c'est compagnie ça qui gagnait des machines de vote à la disposition du conseil électoral. Ils ont fait Fox News payer 800 millions de dollars. Parce que tout simplement, regarde, avec l'OLM, ils ont fait leur soutien. C'est directeur à parade. Il n'y a pas besoin qu'on ait. Depuis ces journalistes qui travaillent là, car qui disent, ils représentent des Fox News. Mais il faut nous dire qu'avant leur soutien, ça a été arrivé là. Non seulement ils ont fait payer 100 millions de dollars, et 800 millions de dollars. Mais tu as un journaliste, je me suis évoqué un journaliste. Un journaliste qui était plus à Cléon et Magou, ça. Et il était fait Lyon bagaille pour dire non, nous n'avons aucune preuve. Vous comprenez même bagaille. Et bon journaliste ici. Et Morvan. Même bagaille Morvan. Et il était fait journaliste Fox News là. Et ballon bagaille pour lui. Vous le dites, bon, nous n'avons aucune preuve, nous n'avons aucune donnée qui montrait qu'il y a une élection. OK, journaliste là, il dit l'obligation, il faut qu'il lit ça. Donc, c'est son façon vous dit que et chaque fois qu'on va vous monter sur des institutions, vous comprenez? Et oui, au café la soute, et puis il faut payer bouchon. Parce que l'institution, elle doit dire, bon, là, on va pas attaquer l'intégrité, on va dire, non, ma goutte, nous, c'est une compagnie, on fabrique des machines de vote, qu'on est là, on va caser le businessman. Sou pa gen, sou gen preuve, ok. Sou gen preuve, ou ta veni a bay ou, ou gen preuve, ou bagay, mbak avon, men, lou pa gen preuve, ou bagay, ou bagay li la, matako, e mfo peye, bouchou, ok. Donc voilà, son façon vous dit que les républicains ont redémarré encore dans sa les ensemble de théories, conspiration qui ont rapport avec l'élection, hein? Et que en plus là-dedans, au senti des faits, il a préparé, bien entendu, il a préparé là, pour bailler des raisons. Et pour aller faire des procès, non, on bien dit, non, éventuelle défaite de Donald Trump. Donc, c'est ça. Donc, voilà, guys, et nous autres, nous avons porté update là pour vous. Nous, pas de cas live encore. Hier lundi, on a fait effort. Hier, on a fait effort pour nous avoir. Hier mardi, guys, nous, pas de cas live. On a fait effort justement pour nous capables ensemble avec vous. Jeudi, avec mardi, guys, hier lundi. N'a pas fait effort pour nous avec aujourd'hui, mardi.